Bonjour à tous et bienvenue pour apprendre l'intro de Sadness and Sorrow. Voilà, travaillez bien, prenez plaisir et à tout de suite. Allez, on y va. Alors. Donc on commence par mettre l'annulaire de la main gauche sur la dernière corde, deuxième case. D'accord? L'autre majeur de la main gauche sur la troisième corde, deuxième case. Donc on va jouer deux notes en même temps. Donc la dernière corde, deuxième case, qui est jouée avec l'annulaire de la main gauche et l'avant-dernière corde à vide avec le majeur de la main gauche. Comme ceci en même temps. Juste derrière, on va jouer la basse avec le pouce de la main droite, comme ceci. Alors, deux notes, la basse, deux notes, la basse. Donc on va faire ça, alors, quatre fois. Et après, on change d'accord. Donc le suivant, vous allez simplement relever votre annulaire de la main gauche de telle façon qu'on puisse jouer les deux dernières cordes à vide. Comme ceci en même temps. Et après, on revient sur notre basse. Je remarque que le majeur de la main gauche n'a pas bougé, il se trouve toujours en troisième corde, deuxième case. Ok? Donc ça se joue vraiment calmement, cool, forcez pas comme un malade. Jouez doucement et ça va venir tout seul. Alors on commence. 1, 2. Allez les amis, on y retourne. Je vous conseille de jouer en même temps que moi. On y va. 1, 2. Donc juste après, on va relâcher notre position au niveau de la main gauche. Et on va rejouer les deux dernières notes, donc les deux dernières cordes à vide. Comme tout à l'heure, donc je rappelle que l'annulaire de la main droite joue la dernière corde, et le majeur de la main droite joue l'avant-dernière corde, en même temps. Alors, juste avant, j'aurais placé le majeur de la main gauche sur la troisième corde, quatrième case. Voilà, on joue ça juste après. Et c'est le pouce de la main droite qui vient jouer. Donc je rappelle qu'on était là au début. Je place le majeur. Comme ceci. Pareil quatre fois. 1, 2, 3, 4. Ok. On reprend. 1, 2. Alors le majeur c'est important au niveau de la main gauche parce qu'on va ensuite faire un accord comme ceci. Donc je laisse le majeur de la main gauche et je vais placer l'annulaire de la main gauche sur la quatrième corde, quatrième case. Et l'index de la main gauche sur l'avant-dernière corde, troisième case. Comme ceci. Alors ce coup-ci, on va jouer en même temps la quatrième corde, quatrième case, avec l'index de la main droite,
et l'avant-dernière corde troisième case avec le majeur dans la main droite. Et la basse, en fin de compte, c'est la troisième corde, quatrième case, c'est le pouce dans la main droite qui vient jouer. Quatre fois. Dernière